et bienvenue dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo fort charmante où nous allons décortiquer le coffret collector de la série Breaking Bad réalisé par Vince Gilligan. Mais avant de commencer, je préfère prévenir les plus jeunes d'entre vous qu'il ne faut pas refaire cette expérience à la maison sans être sous la tutelle d'un parent plus âgé. Parce que nous allons utiliser des outils potentiellement dangereux, comme une grosse clé et une paire de ciseaux avec des bouts pointus qui, utilisés de manière mal intentionnée, pourraient peut-être vous crever un œil ou pire que je ne sais encore. Alors, nous allons attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Qui pourront vous servir à amuser la galerie si vous voulez les faire péter comme des petits fous. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ouh là 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 là. Alors, là vous voyez un coffret Breaking Bad, c'est marqué. Je vous dis pas du pipeau, hein, vous voyez? Vous voyez? C'est même petit. Alors, putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah. C'est incroyable. J'en ai des frissons dans les rotules. Oh là là, attention. Mes amis. Nous sommes face au bidon de méthamphétamine de la série Breaking Bad. Regardez. Oh putain. Attention, attention. Je vais ouvrir le baril. Oh putain, oh putain. Regardez. Oh. Regardez. Regardez. Les billets de Walter White. C'est les billets de Walter White qu'il a enterré dans le désert. Oh putain. Ah mais non. Qu'est-ce que c'est? C'est un cheeseburger. Oh putain, c'est quoi cette merde? Oh, c'est fait entuber. C'est pas des vrais billets. Voilà. C'est quand même pas très pratique, je tiens à le signaler. Mais bon. Alors, ici même, c'est un disque de bonus où vous pourrez voir tout un tas de choses concernant la série, probablement. Autant dire qu'on s'en tamponne le coquillard. Ensuite. Oh là là, dis donc, qu'est-ce que c'est donc? Déjà. Hein, on les voit tout de suite. Made in China. Hein, bravo. Made in China. C'est marqué dessus en gros. Félicitations. Qu'est-ce que c'est? C'est de la merde. Si vous voyez même, c'est une petite pièce représentant Monsieur White. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Vous me le dites moi? Qu'est-ce que je fais? Je fais rien de ça moi. Je me le fous au cul. Bon, j'espère que quand même il y a la série dedans. C'est fini. Y'a rien, c'est qu'un bidon vide. Qu'un bidon avec un DVD de bonus, un cheeseburger et une pièce de merde. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Oh, oh mon dieu! Ils étaient cachés les DVD, ils étaient cachés! Alors, voilà le coffret qui s'ouvre finalement comme ça sur le côté. Hein? Ce qui n'est pas très logique pour un peu un bidon quand même. Hein? Mais bon, chacun sa version du bidon. Dedans, nous avons une sorte de fascicule nous disant que bon, il s'agit bien de la série Breaking Bad, on s'en serait pas douté. Évidemment, c'est tout écrit en anglais, comme si tout le monde parlait de l'anglais. Merde. Tout est en anglais, putain. Ah non, qu'est-ce que c'est? Ah non, ils ont quand même fait la traduction derrière. Ce qu'il y a marqué dedans, en anglais, c'est là, en français. Ils sont quand même cool. Oh, j'ai eu peur, hein. Ouh. Parce que bon, les anglais là, rare le sifflet. On a des belles images là-dedans. Ouh là là. Bravo. Donc, ah, un autre papier. De la publicité de merde. Voilà. Alors, attention. Oh putain. Qu'est-ce que c'est cette merde? Ouh là là. Ouh là là. Ça fait un petit peu peur comme système, hein. Nous pouvons voir un ours derrière. Voilà. Bon. Je suis pas
compris. Hein. Oh là là. Oh là là. Je comprends pas. Alors, ça. Ah voilà. Disque 1. Quand même. Ça, c'est le disque 1. Ah oui. Et on m'a dit, quelqu'un m'a renseigné et m'a dit, si tu mets tous les disques en même temps, tu as une petite figure. Je vais tenter l'expérience sous vos yeux. Sous vos yeux. On va faire comme ça. Un Blu-ray. Comme ça. Deux Blu-ray. Attention. Et ensuite, on remet. Et nous avons un pantalon. Ah ouais. Eh ben dis donc, ils se sont pas fichus de nous, hein. À quoi ça sert, bordel? C'est quand même un petit peu délicat. Je peux te dire que si tu veux regarder la vidéo vite, il faut savoir faire des Rumi-cubes. Hein. Ah là là! Mais putain! Ah! Voilà, normalement, si on additionne toutes les parties, nous avons la tête de Walter White. Je fais le test devant vos yeux ébahis. J'enlève la partie du haut, qui semble être, a fortiori, une petite moustache. Voilà. Voilà. Le deuxième, un petit chapeau. Voilà. C'est quand même pas pratique, hein. Faut faire tomber les DVD pour les prendre. Une paire de lunettes. Attention, wow, je m'appelle Walter White. Et pour finir, le visage de Walter White. Bon, je fais la démonstration à la lumière de tous. Nous avons, dans un premier temps, un visage. Si à ce visage, on lui colle des lunettes, il devient un personnage à lunettes. Si à ce personnage, on lui colle un chapeau, il devient un personnage à lunettes et à chapeau. Et si pour finir, on lui colle une moustache, il devient un personnage avec des moustaches, des lunettes et un chapeau. C'est-à-dire notre ami Walter White, ou plus communément connu sous le nom de Heisenberg. Walter White. Et ce qu'il y a de bien quand même, c'est qu'avec une vidéo comme ici, on peut se mettre des lunettes. Ah, et ça, c'est quand même super. Regardez, dis donc. Ouh, aïe, à maman. Eh, dis donc, tu voudrais pas de la méthamphétamine? Bon, je tiens à signaler pour les vieux aficionados que ce Blu-ray avec le Walter White en plastique se trouve être dans la saison 3, qui se trouve au troisième étage, ce qui est logique. Voilà, donc nous avons un coffret ici présent qui se comporte de tous les épisodes de la série. Qu'on peut refermer, qu'on peut ouvrir, qu'on peut refermer, qu'on peut ouvrir, comme ceci. Après, vous faites à votre guise. Je récapitule donc en vite fait. Nous avons donc un baril contenant non pas de la méthamphétamine, mais l'intégrale de la série télévisée, que nous pouvons ouvrir sur le côté, comme ceci. Dedans, nous avons un petit fascicule qui nous explique rien du tout en fait, pour tout vous dire, c'est le détail des épisodes. Au cas où, quand vous regardez les épisodes, vous savez pas très bien l'épisode. Oui bon, en gros ça sert à rien. Mais c'est toujours bien d'avoir un peu de papier quand même. Parce que à cette ère du numérique et du tout parabolo là, c'est bien d'avoir des choses concrètes. Alors, toute la série que vous pouvez sortir comme ceci. Nous avons une série là. Le deuxième épisode est là. Le troisième il est là. Le quatrième il est là. Le cinquième il est là. Et le sixième il est ici présent. Vous pouvez aussi ouvrir le petit socle du dessus qui contient un DVD de bonus. Ici même, nous avons un cheeseburger assez mal fait. Voilà. Et une petite pièce de merde avec la tête de notre ami Walter White dessus. Et voilà, vous avez tout maintenant sous les yeux. Attendez, attendez, ne partez pas, c'est là que j'ai un appel spécial. C'est en ce moment que je ressors ma grosse clé. Allô? Allô? Oui? Ah bon? Merci pour l'information. On me dit dans l'oreillette, grosse clé, que en fait ceci n'est pas un cheeseburger mais un tablier pour faire de la méthamphétamine. Je ne comprends pas. J'arrive pas à l'ouvrir, putain. Ah voilà, dis donc. Il faut oublier, oulala. Et voilà. Oh putain.
Oh, mais qu'est-ce que c'est cette merde? Et voilà, nous avons un beau tablier que nous pouvons enfiler. Hop! Et voilà, nous sommes prêts maintenant pour aller réaliser de la méthamphétamine. Bien sûr, je rigolais. C'était de la salade d'endive tout compte fait. Je suis un petit farceur. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Hey yo, bitch.